Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour parler de vos blessures, de vos joies, de vos doutes, de vos désirs au 39-21 où vous serez accueillis par Assiba et Paul avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez également vous manifester par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 739 21 en commençant les messages par le mot nuit. 39 21, je vous attends. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Eliane. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel. Mais je vous en prie, je suis là pour vous, hein. Oui, ben c'est gentil. Ça, je suis tous les soirs avec vous depuis des années maintenant et. Mais merci beaucoup. J'étais de votre vraiment perdue. Oui. J'étais perdue hier soir parce que mon fils il est passé après le travail et il m'a dit que il veut divorcer. Donc, ben je m'attendais pas. Je voyais rien. Je voyais pas les problèmes. Si je savais qu'il avait un peu. Toujours cet éternel problème avec les beaux-parents de sa, enfin les parents de oui. sa femme qui étaient beaucoup présents dans leur couple, toujours trop, et que sa femme, elle s'adressait toujours pour chaque décision, pour chaque petite chose à ses parents, tout passait par eux, donc ça lui pesait, ça oui. je le savais, oui. parce qu'il m'en avait déjà une fois parlé, que ça. C'était pas pour eux une vie de couple parce que quand ils rentrent du travail ou ils sont là ou c'est le téléphone et, ah et oui. les petites, beaucoup chez la mamie donc du côté de ma belle-fille et rarement chez moi, sauf quand je les invitais. Donc c'est vrai que pour moi c'était aussi un peu dur, mais je prenais sur moi, je me disais je les vois heureux donc. Oui. Oui, vous voilà. ne pensiez pas que ça avait. Autant de répercussions dans leur couple. Bah, je pensais pas que c'était encore à ce point-là. Voilà. C'était surtout ça. Oui, et vous avez finalement préservé de ça. Il essayait de faire face, lui. Je sais pas quel âge a votre fils, mais il a 38 ans. Oui, bah ça se comprend. Il agissait en adulte responsable. C'est-à-dire que lui, vous ne vous faisiez pas part vraiment des difficultés qu'il rencontrait, de ses états d'âme. Il vous l'annonce quand vraiment la décision est prise. Voilà, parce que il m'a expliqué hier soir. C'est vrai que moi, je suis une personne seule, donc beaucoup souffert aussi dans ma vie. Compliqué aussi ma vie, donc il voulait aussi me préserver un peu de ces choses-là. Et moi, mes enfants, c'est ma fierté et mon moteur aussi. Quand donc, vous dites que vous êtes seule, c'est-à-dire que vous les avez élevés sans leur père ? Beaucoup, oui, j'étais beaucoup seule avec eux, oui. Bon, moi, j'étais mariée 3 fois et divorcée 3 fois, donc. Une ah vie oui. difficile, j'ai les 3 grands, ils sont de mon premier mari qui oui. était terriblement dans l'alcool. Oui. Et je me suis remariée avec un monsieur où après on a eu 2 enfants, j'ai perdu le premier à la naissance, donc des épreuves très dures. Mon père, au départ déjà, qui ne m'aimait pas du tout. Donc, on vit avec. Et j'ai perdu donc en 79 le bébé. J'en voulais absolument un autre parce que moi, les enfants, ça a toujours été un peu ce que j'aimais le mieux, m'occuper d'enfants et avoir des enfants. J'étais, voilà. Et donc, j'ai pris des coups pendant 6 ans, donc avec mon deuxième mari. Et un jour, il fallait prendre une décision parce qu'il est allé très loin. Donc, mes enfants ont beaucoup souffert sûrement aussi de tout ça. Et alors, ce fils-là dont vous me parlez, qui a pris la décision de divorcer, est issu de quel mariage ? De mon premier mari. D'accord. Voilà. Il a toujours des contacts avec son père ? Ah non, son père,
Il s'était remarié avec une autre dame, il a refait des enfants et pareil dans l'alcool et il a fait beaucoup de bêtises et il s'est supprimé. Il s'est suicidé, voilà. D'accord. Mais il les a jamais... Ils n'ont pas connu vraiment... Le père ne cherchait jamais après ses enfants. Je les ai eus seuls. Il n'est jamais venu les chercher. Il s'en est jamais occupé. Les enfants ont connu moi. Je les ai beaucoup préservés. Je ne demandais pas de pension pour vraiment les avoir pour moi, qu'ils sachent où est leur maison et... Et leur mon deuxième mari les avait très bien acceptés. Ils étaient heureux. Bon, on a construit. Et c'est à partir de là que mon deuxième mari il est devenu très violent. Donc ça, c'était sûrement pour les enfants autant que pour moi, mais surtout pour eux très très difficile. Donc ils ont vécu avec moi tout ça. C'est normal, hein. Les enfants souffrent quand même, hein. Ils voient leur maman Des enfants pris dans un couple qui, alors déjà se disputent, c'est forcément ça. Ils en souffrent forcément parce que un enfant qui sent ses parents malheureux va toujours essayer de les prendre en charge et du coup. C'est autant d'énergie perdue pour construire sa propre vie. C'est sûr. Alors, bon, ça n'a pas empêché votre fils de construire sa vie, non, d'avoir une vie de couple. Non, mes enfants sont des enfants assez stables. Bon. Ils sont bien dans leur vie. Enfin, jusqu'à hier soir, je le croyais. Oui, mais après tout, il prend la décision de se séparer. Il m'a expliqué, parce que j'ai dit comment, ils étaient partis une semaine en vacances, je les ai reçus chez moi parce que moi j'ai besoin de temps en temps d'avoir, on est toujours 15 autour de la table, parce que moi j'ai besoin de ça et eux ils sont heureux de venir chez moi tous ensemble. Et ils étaient chez moi et je les trouvais heureux, épanouis, ils étaient heureux de leurs vacances et je voyais pas où il y avait un problème. Mais hier soir, il me dit, tu sais, maman, quand il y a les enfants, ils ont une fille de 12 ans et une petite de 4 ans, quand il y a les enfants, tout va bien. On est en couple avec les enfants. Quand on est tous les deux, il n'y a plus rien. Quand il est avec sa femme, elle prend jamais d'initiative. Il faut toujours que ça passe par ses parents. Une fois, il m'avait dit, j'aimerais bien une fois faire une soirée avec ma femme. J'ai dit, ramène-moi les enfants. Moi, je suis libre, donc je décide de ma vie. Je prends les enfants chez moi ou je viens chez vous. Et je l'ai dit à ma belle-fille, j'ai dit, t'as entendu le message. T'es aussi femme, t'es pas que maman. Et voilà, il dit que c'est cette petite fantaisie de temps en temps qui soude le couple qui manquait un peu chez eux. Mmh. Et que lui, il voit que les années passent vite et je pense qu'il a aussi peur de vieillir et que, bah, comme tout le monde, je pense, les années passent vite. Il a dit, tu te rends compte, j'ai 38 ans et... Et voilà, quand j'analyse ma vie, alors est-ce que c'est la crise de la quarantaine ? J'en sais rien. Écoutez, mais... de toute façon, c'est sa décision. Vous ne pouvez pas intervenir en ce qui concerne sa décision. Dit... Bon, on voit bien que ça vous angoisse parce que ça vous ramène à votre vie, vous vous posez des questions. Surtout, je sais vers quoi il va aller. Donc, Bon. Pourquoi vous, vers quoi va-t-il aller selon vous ? Quand il faut chercher un logement, payer la pension, la vie, elle est devenue quand même un peu difficile. Oui. Il travaille, il a fait sa comptabilité, il est comptable, donc il gagne sa vie. Il est entraîneur de foot, il aime bien tout ça. Et voilà, mais bon. Moi, j'ai aussi peur pour les petites parce que... Quel âge ont-elles ? 12 ans et la petite dernière, 4 ans. Oui, et il a dit, c'est à partir de la naissance de la petite que ça s'est complètement dégradé, que
Elle est maman, mais il n'y a plus... Oui, elle n'est que mère. Elle voilà. Est, en tant que femme, voilà. elle s'est oubliée, quoi. Enfin, il n'y a plus vraiment de relation de couple. Elle oublie son mari aussi. Donc, il m'a dit hier soir, on est encore jeunes. C'est dommage de ne pas avoir plus d'ambition pour le couple. Tout ce que vous pouvez dire, c'est peut-être effectivement la petite fille, la petite dernière, elle a encore que 4 ans. C'est vrai que ça serait important pour elle de voir s'il n'y a pas quelque chose à tenter encore entre eux. Est-ce qu'il est bien sûr qu'il n'y ait plus de sentiments? Est-ce que sa décision est vraiment prise? Il m'a dit qu'il ne reviendra pas dessus. Et ma belle-fille m'a téléphoné cet après-midi en pleurs. Moi, j'ai été au point de l'appeler parce que j'aime bien ma belle-fille et donc c'est elle qui m'a devancée et on a discuté un peu et elle dit oui, c'est vrai, je me rends compte que les reproches qu'il me fait, c'est toujours les parents. Oui, c'est vrai, elle aurait dû, mais les parents auraient aussi dû comprendre que c'est pas leur place. Oui, oui. Éternellement. Oui, les parents d'eux-mêmes auraient dû être moins envahissants. J'envahis pas mes enfants. Je suis d'accord avec vous. Les parents auraient dû eux-mêmes laisser ce couple un peu tranquille. Voilà. Oui. Voilà. Ou dire à leur fille, écoute, prends tes décisions avec ton mari et va avec lui. C'était aussi possible de lui. Si elle mais bon, c'est pas voilà, dessus, maintenant c'est difficile, si vous voulez. Voyez, même le réflexe qu'elle a, c'est de vous appeler vous. Elle a encore comme un réflexe de d'enfant, de petite fille. C'est-à-dire au lieu de parler, il n'empêche qu'elle a pu le faire, hein, mais au fond de se tourner vers le principal interlocuteur dans cette histoire. Oui, c'est ce que je lui ai dit, parle avec son mari. Voilà. Mais c'est à la mère de son mari, c'est-à-dire qu'elle demande protection aux parents. Hein, donc c'est pas anodin dans la façon dont elle se situe, dont elle se positionne par rapport à son mari, à votre fils. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de profond, une distance assez grande qui s'est instaurée entre eux. Ça, oui, je ne sais pas, on ne sait jamais ce qui se passe dans un couple. Et vous ne pouvez pas, c'est pas vous qui pouvez intervenir. Éventuellement, ça sera un médiateur extérieur, genre thérapeute de couple, si le souhaitait, si votre fils était prêt à faire cette démarche. Quant aux enfants, évidemment, c'est toujours aussi à eux qu'on pense dans ces histoires-là, parce que c'est une épreuve pour les enfants, des parents qui se séparent, mais en même temps, c'est vrai que parfois, le divorce aussi peut être plus structurant, comme je vous disais, que d'avoir affaire à des parents qui se disputent tout le temps. Alors je parle même pas quand il y a de la violence, hein. Ouais. Mais là ça n'était pas le cas, heureusement. Mais même des parents qui sont en conflit, qui se disputent ou qui ne se parlent pas, où il y a plus d'échange, où il y a pas, vous voyez, qui se parlent pas, parce que les enfants sentent, même petits, que leurs parents sont malheureux, et quand les parents sont malheureux, les enfants veulent les prendre en charge. Oui, parce que ils veulent, et du coup c'est de l'énergie qui mettent pas leur service à se construire. Oui, parce qu'elle m'a dit cet après-midi que la grande, elle a 12 ans, qu'il n'y a pas tellement longtemps, elle a posé la question comme ça, quand elle était avec sa maman pendant les vacances, vous allez quand même pas divorcer. Donc elle a senti. Elle savait pas. Personne ne savait, mais elle a senti qu'il y avait quand même déjà cette distance entre les parents, je suppose. Oui, bien sûr. Elle l'a senti. Pour poser cette question, bien sûr. Voilà, c'est pas neutre, ça, de poser la question. Après, c'est là où il est important d'en parler aux enfants et d'expliquer si la décision est prise, ce qu'il en est, et que ce que signifie notamment quand les enfants sont petits, ce que ça signifie divorcer. Parce qu'à 12 ans, elle sait ce que ça veut dire divorcer, mais à 4 ans, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire divorcer.
Même si aujourd'hui c'est une situation de plus en plus répandue, mais à 4 ans divorcé, bon, donc ça veut dire que on n'est plus mari et femme, mais qu'on reste le papa et la maman, simplement on vivra plus dans la même maison, voilà, et que parce qu'on n'est plus amoureux, mais qu'on restera toujours les parents, le papa et la maman, et qu'on sera toujours là pour s'occuper d'eux. Et ça c'est important. Et puis qu'eux, ils sont pas, surtout qu'ils se sentent pas responsables. C'est pas parce que ils ont fait des bêtises ou qu'ils se sont disputés. S'ils se disputaient, c'était pas à cause d'eux. Parce que parfois, dans leur tête d'enfants et petits, ils peuvent penser que s'ils avaient été plus gentils, peut-être leurs parents seraient restés ensemble. Il y a Eda qui envoie un petit message en disant « Je pense que si votre fils vous en a parlé, c'est que sa décision a bien été mûrie. » Oui, parce que jusque-là, c'est vrai qu'il vous avait tenu à l'écart de ça. C'est-à-dire que lui, contrairement à sa femme, ne vous mêlait pas à ses problèmes de couple. Pas du tout. Et hier soir, c'est vrai qu'il m'a dit, j'ai dit « Réfléchis quand même encore ». Et quand il est parti, il a dit « Je ne reviendrai pas dessus ». Donc je pense que lui, ça fait longtemps qu'il y travaille et que c'est mûrement réfléchi et que moi j'ai dit à ma belle-fille aussi, essaye peut-être. Bon, vous pouvez pas tellement faire plus là. Vous pouvez dire à votre belle-fille que vous comprenez effectivement son chagrin, que c'est difficile, que vous avez été surprise. De sa décision, que vous l'avez que s'il y a encore quelque chose à faire, si elle pense pouvoir faire quelque chose, c'est avec votre fils qu'elle doit en parler, que vous malgré toute l'affection que vous lui portez, parce que ça vous pouvez lui dire, puisqu'on vous sent très malheureuse de cette décision aussi, vous pouvez le dire, et que malgré toute l'affection que vous lui portez, justement parce que vous lui portez beaucoup d'affection, que vous l'aimez beaucoup, et que quoi qu'il en soit, et que même si malheureusement cette décision qu'ils en arrivaient à divorcer, que il n'empêche que vous pourriez conserver des liens, vous aimeriez conserver des liens avec elle, mais que pour le moment il faut vraiment qu'elle de son côté à ce moment-là essaye de parler à son mari et peut-être de voir il y a peut-être des choses encore possibles, vous voyez, qu'il est peut-être pas trop tard, qui sait, mais que vous ne pouvez pas. C'est pas vous qui pouvez agir. Vous avez essayé de faire ce que vous pouviez de votre côté, mais bon. Ce que je lui ai expliqué. Bon, mais alors voilà. Que moi, je ne peux pas trop prendre parti de là parce que je ne suis pas dans leur couple. Et exactement. Moi, je suis sûrement bien placée pour le savoir qu'on ne peut pas prendre parti quand il y a des problèmes parce que je suis passée par là et c'est très dur, il faut les gérer soi-même, personne d'autre peut le faire et personne d'autre peut intervenir. Si, quand il y avait la violence, c'était différent. Mais avec mon ex-mari, mon troisième mari, je voyais rien venir non plus, ça m'est tombé dessus, donc c'est vrai que j'ai pas dormi de la nuit parce que moi j'ai revécu un peu. Ça m'a replongé dans ma situation en 2002. Mais je sens bien que ça vous a angoissé, voilà. Mais ça, c'était important de lui dire aussi que c'est d'autant plus compliqué pour vous d'intervenir, que vous êtes trop impliqué, parce que ça vous bouleverse beaucoup finalement, d'apprendre cela, parce que vous les aimez beaucoup et parce que ça vous renvoie à votre propre histoire. Je crois qu'elle peut le comprendre. Oui, voilà. Restez un peu en retrait et laissez-leur reprendre leur décision. Si la décision devenait effective, il y a sinon toujours comme point de référence, vraiment, cas de séparation des parents, l'excellent ouvrage de Françoise Dolto, « Quand les parents se séparent », qui est paru aux éditions... Les ouvrages de Françoise Dolto sont toujours disponibles, bien sûr. C'est au Seuil, les éditions du Seuil. C'était paru en 88, mais c'est Françoise Dolto, « Quand les parents se séparent », au Seuil. Elle a fait des beaux ouvrages. Tout ce qui concerne la psychologie et des enfants, c'est... Oui, moi, ça me peine mettre pour les petites, mais moi, je vais tout mettre...
en œuvre aussi pour être rester proche. Et oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça que vous ne pouvez pour le moment que rester en retrait. Vous avez très bien réagi, dit ce qu'il y avait à dire. Et puis, bon, vous verrez bien comment ça va évoluer aussi. Hein. Peut-être qu'il avait besoin d'en parler, de dire les choses, attendez de voir. Et puis peut-être que pour aussi, je vous dis, parfois un divorce est plus structurant aussi pour des enfants que des parents qui ne font que se disputer qui n'ont plus aucune relation entre eux. Hein. Donc bon, vous voyez, c'est pas aussi, faut pas non plus toujours avoir une vision sombre. Hein. Bon courage en tout cas. Je suis bien placée pour le savoir que des fois c'est bien mieux sûr. Pour les enfants. Et voilà, hein, donc voilà. Bon. Merci beaucoup en tout cas de votre Caroline, appel. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Eliane. Bonsoir Émilie. Bonsoir Caroline. Je vous appelle un peu pour je suis un peu perdue là tout de suite, c'est un peu comme essayer d'être le plus synthétique possible sur ma situation. Moi je suis depuis on a un souci de liaison, vous avez je vous entends de façon très hachée. Vous avez bougé. J'ai pas bougé pourtant. Ben là, ça va mieux, là où vous vous trouvez. Ah, oui, bon, là, ça va. J'espère que ça va le faire. En très gros, donc moi, je suis depuis 4 ans en couple avec un jeune homme que j'ai rencontré, qui était complètement charmant, qui n'a eu aucune expérience avant moi. Oui. Il avait à l'époque 23 ans. Il avait, j'insiste bien sur le fait que c'était sa première copine. C'est quelqu'un qui évolue dans le monde du spectacle et qui est connu, je peux dire, un peu maintenant, enfin qui est en tout cas très 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 sollicité et depuis ces derniers mois ça n'allait plus du tout, enfin ça n'allait plus du tout, il était un peu grisé par tout ça, ce qui peut s'entendre, et il est allé voir ailleurs, hein, comme on dit, et c'est une liaison de plusieurs mois dont je me suis aperçue par les mails, etc. Enfin, c'est toujours la façon la plus agréable, n'est-ce pas, de se rendre compte de ce genre de choses. Je l'ai viré en fait, hein, il a emménagé dans un nouvel appart. Il m'a demandé absolument de le revoir, etc. On s'est revus. Je suis de nouveau avec lui. Alors il me parle d'enfants, de ceci, de cela, mais je m'aperçois, je peux pas m'empêcher d'aller dans ses, c'est affreux, hein, d'aller dans ses, de cette histoire, d'aller dans ses mails, etc. Et je vois que par derrière tout ce discours-là, eh bien. Il a des aventures d'un soir ou peut-être de deux avec certaines filles, actrices et compagnie. Mais ça, c'est à travers la lecture de ces mails que vous voyez ça. Oui, c'est clair, hein, c'est vraiment assez clair. Et donc même temps, donc il est avec vous, et avec vous il fait des projets vraiment d'avenir, puisqu'il vous parle d'avoir projets, un enfant avec vous. Ne bougez pas. Je suis désolée, hein, je vous dis ça d'un ton un peu autoritaire, la conversation est je vous perds est assez hachée, donc il y a des moments où j'entends pas très bien. Oui, des projets, vous installer ensemble, avoir un enfant, et vous pouvez pas lui en parler puisque si vous allez un peu espionner sa boîte mail. Exactement. Exactement, et j'accepte. Oui, donc vous pouvez pas lui en parler si c'est en espionnant. Non. Vous pensez pas? Parce que des fois je me dis, parce que je saurais pas lui dire, écoute, voilà, d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire alors? Ben, je sais pas. Comment vous envisagez les choses? D'une certaine façon, je peux comprendre que. Enfin, je peux comprendre.
Oui. Si j'essaye de prendre le maximum de recul, moi j'ai eu énormément de d'hommes, enfin énormément par rapport à lui, d'hommes dans ma vie, etc. Moi je suis la seule. Maintenant il est sursollicité par des nanas qui sont des nanas auxquelles on peut difficilement résister, j'imagine. Oui. Et je sais pas, peut-être lui dire que voilà que je comprends que je suis pas dupe, quoi, tout simplement, qu'il me mente pas, quoi. Oui, alors laisser entendre en ayant une discussion, mais pas dire j'ai mis le nez dans tes mails, enfin oui, pas laisser pas lui dire voilà je suis tombée sur tes mails, parce que là c'est vous allez rentrer dans un jeu, je trouve, très problématique, où vous lui montrez que vous êtes jalouse, que finalement la confiance est brisée et que vous l'espionnez. Ouais, ouais. Ce qui est quand même, de votre part, un aveu de faiblesse. Enfin, je veux dire, il faut la jouer plus finement. Je comprends que vous ayez du mal à vous engager, que vous ayez besoin d'en parler, de clarifier la situation. Ça, je comprends tout à fait, bien sûr. Et qu'en même temps, comme vous dites, c'est-à-dire qu'il évolue dans un certain milieu, il est grisé par le fait qu'il commence à avoir une certaine notoriété, qu'il rencontre des femmes auxquelles beaucoup d'hommes auraient du mal à, enfin la majorité des hommes auraient du mal à résister. D'ailleurs, quelqu'un qui a été très complexé pendant longtemps parce qu'il s'est pris râteau sur râteau dans sa jeunesse. Oui, donc d'autant plus il n'a pas connu de femmes quoi avant vous, donc tout ça fait que c'est très tentant. Donc, vous pouvez, en parlant avec lui, en disant, est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Vous pouvez lui en parler, est-ce que c'est pas un peu trop tôt? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Et finalement, que vous vous interrogez. Que vous en avez en lui. Alors, c'est aussi à double tranchant, parce que, en doutant, lui faisant part de vos doutes, vous pouvez l'amener à douter. Vous en avez conscience. Il peut penser que c'est vous qui doutez. Alors qu'en fait, vous doutez de lui. Ben moi, je ne sais pas comment dire. Je pense que le fond est vraiment bon parce que c'est quelqu'un qui n'est pas comme ça à la base. C'est quelqu'un qui est toujours très droit, qui a des idées bien arrêtées sur les couples, qui est très, très... Enfin, à la base, moi, je l'ai connu très romantique, très... très voilà, moi, à la base, moi, quand je l'ai connu, tout le temps, il me disait, mais je comprends pas les gens qui trompent leur copine, comment c'est possible. Enfin, c'est quelqu'un de très... Je sais que de cette situation, il culpabilise. Je pense lui-même, je le connais un peu, et je pense que lui-même, il doit se demander lui-même ce qui lui arrive de faire ça, parce que c'est contraire à son... À ses, enfin, c'est vraiment contraire à ses valeurs, quoi, pour le coup. Mais est-ce que vous pensez, est-ce qu'en étant avec lui, vous accepteriez, parce que finalement, il est avec vous, c'est avec vous qu'il fait ses projets, c'est avec vous qu'il tient ses mails sur lesquels vous tombez, c'est des relations d'un soir, semble-t-il. Oui, bah alors il y a eu cette fille avec qui il était pendant très longtemps, je sais que là, il n'accepte plus de la voir et... Et ça, il sait que vous savez. Oui. Bon. Je vais demander. Donc, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Alors, il faut pas non plus qu'il ait l'impression que maintenant il doit fermer à culpa pendant 50 ans. Le problème, c'est que vous savez qu'il y a depuis, il y en a eu d'autres. Mais ça, vous allez pas lui mettre dans la figure parce que c'est parce que vous l'espionnez. Ouais, bien sûr. Vous voyez, c'est là où bon, c'est compliqué. Mais si je dis rien, voilà, est-ce que je vais pas finalement être aussi malheureux de cette situation? Ce que j'aime pas, c'est que ça me met en position de faible par rapport à lui. Et j'ai presque envie de lui dire, mais moi aussi, j'ai des gens qui sont intéressés par moi. Moi aussi, je suis tentée. Mais Émilie, vous pensez qu'il en doute de ça? Non, mais qui doute du fait que je... Oui, que des hommes s'intéressent à vous et que... Non, mais comme je lui en parle jamais, je lui dis toujours mais non... Et vous voulez rentrer dans ce jeu-là avec lui?
Je sais pas. Vous voulez le rendre jaloux ? C'est un moyen de tirer la couverture aussi à moi, parce que j'ai l'impression que je suis en... Ouais, je suis un peu dans une position où c'est lui qui brille. Oui, voilà. Alors, j'allais en venir là. C'est-à-dire que c'est compliqué d'être la compagne d'un homme qui brille, hein, qui est dans la lumière, qui, vous l'avez connu, c'était un jeune homme comme ça. Il démarrait tout juste, hein, oui, il y avait rien de... Il démarrait, il n'était pas connu, il était, en plus, il n'avait pas connu beaucoup de filles, il était enfin un peu complexé, et puis là, le jeune homme qui était un peu complexé, qui, bon, il se trouve que... Il a qu'à choisir, hein. Elles sont toutes là. Hein, ben oui, parce que bon, donc évidemment, pour vous, ça devient plus ingrat, parce que vous êtes celle qui est dans l'ombre, et c'est vrai que c'est pas simple. Il faut avoir une sacrée confiance en soi. Hein. Ouais. Quand on est, voyez la compagne d'un homme comme ça qui est dans la lumière, qui est connu, qui est parce que. J'ai envie de dire forcément il va être très sollicité, le fait d'être connu va attirer plein de filles, plein de femmes qui oui. la célébrité rend séduisant, hein. Ah oui, non, ça c'est sûr, puis il est même séduisant. Grand enfin, sexy, de... oui, vous l'aviez trouvé séduisant avant ça. Alors en plus, mais même, bon, il y a des personnes qui ne sont pas forcément et qui du coup, on va les trouver extrêmement séduisants, voyez. Bon, ouais. Donc, alors je vais même plus loin, est-ce que vous seriez prête à accepter qu'il y ait des incartades, en sachant que finalement, c'est quand même, c'est avec vous qu'il est, c'est vous qu'il aime. Bah c'est très bizarre parce que on m'aurait posé cette question-là il y a plusieurs mois, j'aurais hurlé. Et là, j'ai la sensation, enfin c'est affreux ce que je vais dire, j'ai la sensation que mine de rien, il faudra probablement faire avec. Enfin c'est affreux parce que mais comme c'est quelqu'un de très sentimental. Pendant un temps peut-être. Le temps qu'il réalise. Mais il n'empêche qu'il peut avoir ce côté sentimental, mais il y a quelque chose où, à un moment, où il peut se laisser un peu griser. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un de très sentimental, c'est-à-dire que je pense que... Mais c'est ça... C'est ça... pas quelqu'un qui couche à la base pour coucher, c'est-à-dire que je pense que quand il couche, c'est qu'il vraiment, il a aussi derrière des sentiments pour la... Enfin, c'est pas quelqu'un vraiment de... C'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'il connaisse un peu les gens, etc. Et c'est ça qui me fait peur. C'est que je... Oui, voilà. Ça je comprends, c'est presque plus... C'est plus embêtant. Bah oui. C'est pas... Oui, il peut aussi faire... Ça peut déraper sur une liaison, un truc... c'est quelqu'un qui déteste laisser les gens, donc pour peu que la fille, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, pour peu que la fille, elle insiste un peu, elle soit cool, elle soit bien dispo et tout, ça peut vite glisser dans des liaisons, des machins, des trucs où moi je... Il est amené, c'est des femmes avec qui il est amené à travailler, avec qui il a des relations. Ben, oui. Et qu'il est amené à revoir fréquemment actrices, compagnie, oui. Oui, dans des tournages. Donc là, effectivement, c'est embêtant parce qu'il se crée des... Bon, alors en même temps, dans ces moments-là, vous savez, c'est très particulier parce que c'est des moments où ils sont... Bon, ils sont tout le temps ensemble. Ouais, ils partagent tout sur le temps d'un tournage. Enfin, ce côté presque très, très fusionnel, très bon. Et puis après, une fois que le tournage est fini, chacun repart dans son univers. Ouais, bien donc sûr, les premiers temps, ils se font avoir avec ça, ce côté, ce sentiment de plein, de d'être comme ça, de tout partager. Finalement, ils se quittent pas tout le temps du tournage. Ouais. Ils dorment dans les mêmes hôtels pour peu que. Ouais, bien sûr. Bon, mais après, quand le tournage est terminé, chacun repart dans sa vie, dans son univers. C'est oui, là où certains, s'ils n'ont pas une stabilité, des repères bien ancrés, des repères familiaux, quelqu'un sûr. Qui les aime, des amis, un amoureux, une amoureuse, des amis, peuvent avoir une, mais vraiment,
on dit familièrement des gens comme ça connus qui se mettent, qui deviennent connus comme ça du jour au lendemain, qui, on le dit familièrement, qui pètent les plombs parce que c'est vertigineux. Ce parce qu'il s'est coupé en même temps, qu'il est satisfait de cette fille, il s'est coupé de ses amis, il s'est coupé de beaucoup de monde en fait, plus personne ne le reconnaissait vraiment. Et donc là, il a eu comme une espèce de voilà, quand je l'ai quitté, j'ai fait déménager, etc. Là, il a bu la tasse et là, il revient et là, il a de nouveau ses amis, etc. Mais j'ai l'impression que si je dis rien par rapport à ces filles, par rapport à ces incartades, comme vous dites, j'ai l'impression que ça peut durer très longtemps et j'ai pas non plus envie d'être la nana trompée pendant 30 ans. Alors, cela dit, vous pouvez être en alerte sur certaines choses. C'est-à-dire que là, vous l'avez repéré par rapport à des mails. Mais vous pouvez être en alerte par rapport à certaines choses et à ce moment-là, ne pas laisser passer. D'autres choses, c'est ça? Okay. Par d'autres choses que des mails. Il y a peut-être d'autres choses à ce moment-là qui peuvent vous alerter et ne pas fermer les yeux. Ouais, vous voulez dire que si je lui en parlais, je lui en parle à la base avec autre chose comme base? Avec autre chose comme base que des mails. C'est-à-dire que, qu'il n'y ait pas quelque chose où vous tombez dans le registre de je te soupçonne c'est et naze, donc je t'espionne. Parce que je trouve que là, ça veut dire que vous tombez dans ce jeu où il va, parce que du coup, il va être dans une dissimulation encore plus forte, et vous allez, enfin, ça n'enlève rien à la tentation, d'ailleurs, au contraire. Mais ça n'enlèvera rien. Ouais. C'est-à-dire qu'il va, encore plus il va dissimuler. Alors que là, voyez, bon, finalement, ses mails, il les dissimule pas trop. Non, franchement, non, même pas. Je pense qu'il pense même pas que je le fais. Enfin, bref, je sais pas. Mais parce qu'il pense que oui, finalement, il se cache pas encore. Ouais. C'est le. Vous voyez, il agit encore un peu comme un débutant, je dirais. Ouais. Il a pas. C'est pas. Je sais pas. Moi, dans le fond, je pense qu'il. Enfin, je sais pas s'il faut lui dire, mais moi, ce que je pense vraiment au fond de moi, c'est écoute, voilà, si tu veux t'amuser sur des histoires vraiment d'un soir. Je dirais probablement pas comme ça, mais je dis le fond de ma pensée. Fais-le, mais faut pas que ça dure, quoi. Je veux bien que tu fasses ta crise. Non, mais cela dit, vous n'êtes pas sa mère, hein, donc vous n'êtes pas obligé. Vous n'avez pas à tout accepter et à tout supporter. C'est-à-dire que là où autour de lui, parce que il y a lui, vous avez aimé aussi ce qu'il était, ce jeune homme sentimental, c'est cet aspect-là qui vous plaît chez lui. Bah ouais, s'il change trop, s'il devient, voyez, il vous plaira moins aussi. Donc ouais, c'est peut-être ça aussi, d'une certaine façon, qu'il faut lui dire. C'est-à-dire, enfin. C'est là où il n'y a pas lieu de tout accepter. Genre, quand je dis vous n'êtes pas sa mère, c'est-à-dire que vous n'avez pas à accepter qu'il fasse sa crise non plus. C'est-à-dire que vous soyez consciente qu'il y ait des choses qui le bousculent, que ça soit compliqué, qu'il puisse être grisé, c'est une chose. Pour autant, comme vous dites, est-ce que lui accepterait que, tout d'un coup, oui, vous vous laissiez aussi griser, je sais pas, parce que. Ah, lui, c'est quelqu'un de très jaloux en plus. Hein. Bon, très, voilà, très donc, bon. C'est pour ça que je me dis, mais est-ce que moi, je lui dirais pas, écoute, Coco, toi, si tu veux avoir tes histoires, c'est ton problème, mais sache que. C'est ultra malsain, je pense, pour la relation, mais je lui vais faire comprendre d'une façon ou d'une autre que moi aussi, moi, c'est pas parce que je suis pas connue que j'ai pas non plus. Vous voyez qu'il fasse gaffe à ça aussi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, mais que vous n'en avez pas moins de valeur, vous n'êtes pas connu, oui. Mais enfin, il y a d'autres vrai, hommes plus, qui ça, vous désirent et tout ça. Et puis que être connu ne lui donne pas tous les droits. Et c'est important parce que, justement, quand je disais l'expression qu'on utilise familièrement pour des gens connus qui pètent les plombs à un moment, c'est-à-dire qui n'ont plus de limites, qui se comportent un petit peu comme des. Comme des petits enfants, hein, c'est-à-dire ouais, c'est comme ça. Des petits enfants à qui tout est dû, comme des petits enfants tout puissants. Mais c'est aussi parce qu'ils ont le regard des gens sur eux qui les considèrent comme des petits dieux un petit peu partout là. Qui, ouais, bien bon, sûr, c'est ça. Donc c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il est important qu'ils aient un entourage, que ça soit familial, amical ou
conjugale, enfin en tout cas, dans, qu'il leur rappelle que, bon, ils sont aimés, mais qu'ils sont aimés pour ce qu'ils sont, et qu'ils ne sont pas tout puissants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tout se permettre, et qu'ils ne peuvent pas se permettre, en particulier, de blesser l'autre, parce qu'ils sont, être connus ne donne pas tous les droits. Donc, or, pour des gens, parfois, donc, quand ils commencent à être connus, parfois, et qu'après, ils ont des gens qui les aiment. Alors, il y en a qui les aiment, qui les apprécient dans ce qu'ils font, qu'ils soient chanteurs, acteurs, mais ils ont aussi des fans qui les adulent. Hein? Bon. Et à moins, ça peut devenir, et finalement, là où il peut y avoir un sentiment, certains à un moment craquent aussi, parce qu'ils se demandent finalement s'ils n'ont plus pas un entourage qui les soutient, qui les aime pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils représentent. Et c'est que ça crée un vide aussi intérieur, hein, chez eux. Ils savent plus qui ils sont. Donc, vous avez le droit aussi de lui rappeler que, bon, certes, vous comprenez que ça soit grisant et tout, mais que pour autant, bah, vous n'accepterez pas tout non plus de lui. Donc vous pensez que je devrais lui en, quand même essayer de lui en parler, de le faire un peu rapérir dans le sens en lui disant, écoute, voilà, moi, vous pouvez laisser entendre, vous pouvez laisser entendre que sans le mettre devant de dire je suis tombée sur tes mails, mais ouais, il sera d'autant plus il va dire je suis quand même avec une sacrée nana, puisque au fond de dire de laisser entendre que vous n'êtes pas tout à fait dupe. Voilà, vous n'êtes pas tout à fait dupe et que vous vous rendez compte que bon, il y a tout ce ça lui tourne un peu la tête et que du coup vous vous demandez comment construire une stabilité. Il vous parle de stabilité, il aspire à une stabilité. Bon, vous le croyez certes qu'il a envie de ça, mais que par moment vous avez l'impression qu'il se laisse complètement griser. Alors vous vous demandez, voyez comment concilier les deux. Plutôt que de vous mettre, vous dire c'est pas parce que je suis pas connue que je peux pas séduire, parce que là je trouve que vous vous dévalorisez. Ça n'a rien à voir. Au contraire, je trouvais. Non, ça n'a rien à voir. Bien sûr que vous pouvez séduire même si vous n'êtes pas connue. Ouais, il faut juste trouver le à partir de quoi je vais pouvoir en parler, parce que c'est vrai que. Bon, il y a plein de. Il y aura certainement plein d'occasions, hein. Ouais, je sais pas. Il y a quelqu'un qui dit oui, c'est à vous de le ramener un peu sur terre. Il y a Tom qui dit ou alors il faut que vous deveniez actrice pour qu'il vous trompe avec vous. Voilà. Le film d'Yvan Attal, ma femme est une actrice. Il détesterait ça, mais il le sait très bien en plus. Alors justement, vous l'avez aimé parce que c'était justement un jeune homme un peu complexé, très sentimental et tout. Rappelez-lui que vous aimez ça aussi chez lui. Il n'empêche que, vous voyez, vous êtes ravie pour lui de la tournure que prend sa carrière et qu'il soit connu. Il ne faut pas être rabat-joie non plus, c'est formidable pour lui. Hein, c'est formidable pour lui et qu'il n'ait pas le sentiment que vous êtes la seule à pas vous réjouir de son succès. C'est formidable. Mais ça veut dire aussi, vous, qu'il faut que vous ne doutiez pas, que vous ayez, il faut avoir une sacrée confiance en soi, hein, pour être la compagne d'un homme connu. Ça, c'est vrai, ouais. Parce que vous, bien sûr, vous allez avoir une armée de jolies filles, là, qui vont tourner autour de lui. Mais peu importe, à la limite, vous savez, ça compte aussi quand même. À un moment, il peut se laisser griser pendant un temps, hein, se dire « waouh, ça tombe là, bon, comme des mouches », l'expression est pas jolie, mais c'est un peu ça. Et vous savez, à un moment, il peut revenir sur terre en se disant « vous l'avez aimé, enfin, aussi avant tout ça, quoi. Vous l'avez vraiment vu tel qu'il était. » Ne serait-ce qu'hier soir, il m'a dit « oui, mais toi, tu m'aimes pour les bonnes raisons. Voilà. » Voyez, les autres, bon, c'est important. Oui, mais ça n'empêche que je tombe sur ce genre de choses, quoi. C'est un homme, c'est un jeune homme aussi. Bon. Oui, non, mais c'est vrai. Peut-être qu'à sa place, je ferais la même chose. Peut-être, hein. Si on vous mettait, je sais pas, à qui vous aimez au cinéma, comme acteur ou quoi, peut-être tout pendant des mois et des mois de tournage, dormant dans le même hôtel. C'est peut-être dur. Ouais, bien sûr. Bon. C'est compliqué, je ne veux pas non plus utiliser trop la menace. Non, surtout pas. Surtout pas la menace. Surtout pas d'ultimatum, rien de tout ça. Hein. Non, c'est jamais bon. On n'est jamais gagnant à ça. Hein. Ouais. Vraiment pas. Voilà.
Ok. Bon, non, plus bien. Subtil. Parce que moi, je pense que fondamentalement, cet homme vous aime et je veux dire, s'il parle de faire des projets avec vous, une maison, un bébé, je veux dire, pourquoi pas, enfin, je veux dire, vous voyez, que ça ne vous arrête pas dans ces projets-là. Hein. Ça peut aussi l'ancrer. Ouais, mais... bien sûr. Mais j'ai l'impression d'être la bonne poire, quoi, vous voyez, des fois. Oh non, vous vous dévalorisez, non, la ben, bonne poire. Pas, là, vous croyez que c'est avec n'importe quelle femme. Dans son coin et moi je suis là. Oui, mais alors vous, il faut que vous fassiez quelque chose dans laquelle vous vous sentiez valorisé. Alors si effectivement vous avez l'impression que dans la maternité vous allez être la bonne poire, je vois pas. Là, il y a quelque chose qui colle pas. Il faut que vous vous sentiez valorisé. Vous vous sentez pas assez valorisé. C'est pour ça que vous êtes peut-être lui, il est dans la lumière, vous vous sentez dans l'ombre. Vous voyez, il faut que vous trouviez quelque chose où vous vous sentez exister. Vous vous sentez pas assez exister actuellement. Peut-être, il faut trouver quelque chose autre, sans être. On peut exister sans être connu, hein. Franchement. L'important, c'est que vous soyez reconnu. Voyez. Ouais, bien sûr. Oui. Mais il faut que vous soyez. C'est que vous vous sentez pas. Il faut que vous existiez par vous-même et en dehors de lui. Il me semble, hein. Voilà. Mais je pense en tout cas, voilà, je pense qu'en tout cas, d'une certaine façon, il a besoin à un moment donné que je lui dise que, effectivement, voilà. Oui, mais ça, vous y tenez. Vous y tenez, donc bon, il ne coupera pas. Visiblement, vous avez envie de lui dire. Mais je pense que le fond du problème n'est pas là. Hein. Vous avez besoin d'exister en dehors de lui, là. Il y a un déséquilibre en ce moment qui s'installe. Lui, il prend la lumière et vous, pas assez. Ouais, bah ouais, voilà. Tout, je l'accompagne partout et tout, ouais, je suis la nana de l'ombre, effectivement. Ouais, bon, vrai. Un peu trop, et ça vous pèse. Ouais. Ok. Et ça vous pèse, donc il faut faire quelque chose un peu pour vous. Bon, ben je vous remercie en tout cas. Je vous en prie. Je vais méditer là-dessus. Mais, écoutez, la chanson qui suit est de circonstance, puisque c'est Marc Lavoine, J'ai vu la lumière. Superbe. Je vous embrasse, Émilie. Merci beaucoup. Au revoir, Caroline. Au revoir. Alors, un petit mail. Quelqu'un me dit, doit-on avouer à ses proches que l'on est tombé dans la drogue à l'âge de 50 ans alors qu'absolument rien ne pouvait présager que cela puisse m'arriver un jour? L'isolement, la honte et la descente aux enfers, tant physique que sociale, en font un des sujets tabous de notre société. Je vous souhaite à tous une belle nuit. Écoutez, si vous souhaitez en parler, vous pouvez appeler le 3921. Vous pouvez prendre un pseudo, comme le font beaucoup d'auditeurs. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé encore dans l'émission. On a parlé des drogues, mais pour des gens plus jeunes. Mais pour les quinquagénaires, en général, non, on l'a pas abordé, ce sujet. Mais rien n'est tabou dans cette émission, donc vraiment sortez de l'isolement et venez en parler avec nous. On sera là pour vous écouter. Bonsoir Nicole. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, j'ai longtemps hésité avant de vous téléphoner, il y a longtemps que j'écoute votre émission. Ah bon, pourquoi ? Et puis hier soir, j'ai eu envie d'appeler, parce que tout de suite, vous savez, je passe une période très très difficile de ma vie. Oui. Essayez de vous expliquer le mieux possible. Ça fait 43 ans que je suis mariée. Quand j'ai rencontré mon mari, bon, bien sûr, quand j'ai rencontré, c'était de la pitié quand j'ai rencontré parce qu'il a été excessivement malheureux dans sa jeunesse. Bon, nous nous sommes mariés, j'ai eu un enfant, j'ai un enfant, un fils qui a 42 ans maintenant, qui a sa vie, bien sûr. Et mon mari, vous savez, j'ai toujours espéré pendant des années de pouvoir l'aider de se sortir de comment vous expliquer ça, d'une vie un peu, une vie de patachon, si vous voulez. Hein. Bon, il a fait pas mal de bêtises, pas pris de soin de sa santé. C'était quoi une vie, c'est quoi une vie de patachon? C'est-à-dire que bon, il buvait, voilà, l'alcool. D'accord. Alors, j'ai toujours espéré, vous savez, que de pouvoir l'aider à s'en sortir. Bon, mais écoutez, il y a eu des périodes où il y avait, bon, il buvait beaucoup, d'autres périodes, bon, c'était beaucoup plus calme. Et puis, il a eu des gros problèmes de santé. Il a été opéré une première fois en 1975, du cœur. Bon, mon fils avait, à l'époque, 5 ans. Bon.
Et puis après, vous savez, il aurait été, s'il avait eu une vie, disons, raisonnable et normale comme tout le monde, prendre soin de sa santé, il n'en serait pas où il en est à l'heure actuelle. En 2005, là, il a été réopéré du cœur et on lui a mis une valve aortique. Oui. Depuis 2005, je vis dans la maladie 24 heures sur 24. Bon, son état de santé s'est bien dégradé. Et dernièrement, le 3 mars dernier, il a été greffé du cœur. On lui a greffé un cœur. Mmh. Et bon, ce cœur, apparemment, bon, d'après les médecins, fonctionne pas trop mal, si vous voulez. Oui. Mais son état général est, pour moi, il est catastrophique. Catastrophique. Il a fait 2 mois de réa, 2 mois. 2 mois après, il est resté au CHU, après rentré en clinique cardiologique. On va poursuivre cet échange, Nicole, après le journal. Donc restez bien en ligne et on se retrouve dans quelques minutes. Encore pour une heure de direct, une heure pendant laquelle vous pouvez appeler le 3921 pour parler de vous et de votre vie, mais aussi pour réagir si un témoignage vous donne envie de le faire. Vous pouvez également vous manifester par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot « nuit ». Alors Émilie nous parlait de sa relation avec un homme qui était en train de devenir célèbre et des difficultés que cela occasionnait dans cette relation et notamment en termes d'infidélité. Ponchon chinois dit Émilie, ne soyez pas la compagne d'œuf, existez également par vous-même, haut les cœurs. Cathy qui dit, oh là là, moi, si j'étais la compagne de Marc Lavoine, je serais sur le qui-vive, ça serait invivable. Oui, Marc Lavoine qu'on avait entendu juste avant. Pourtant, ça a l'air d'être un garçon formidable et apparemment très, très attaché à son épouse. Et puis, Sylvain dit, pourquoi ne pas le suivre de temps en temps dans son travail, vous montrer et le voir face à ses tentations. Mais Émilie nous disait qu'elle elle accompagnait justement dans son travail et justement peut-être qu'il faudrait qu'elle existe vraiment complètement en dehors. Eridan dit aimer cet homme en coulisses risque d'éclipser votre individualité, votre rivale la plus sérieuse, c'est sa notoriété. Et on va retrouver tout de suite Nicole. Alors Nicole, vous nous parlez donc de votre mari. Voilà. Votre mari donc qui a été greffé du cœur en mars dernier. Oui, oui. Et vous étiez en train de nous dire que sa santé, donc, c'était compliqué. Oui, c'est très très compliqué parce que si vous voulez, il a subi cette greffe cardiaque. Mais quand il est parti à la greffe cardiaque, il était dans un état général dramatique. Il était excessivement fatigué. Oui. 8 jours avant cette greffe, il avait un bilan hépatique catastrophique. Enfin, de toute façon, l'état général était vraiment pas bon du tout. En règle générale, quand on va pour une greffe, en général, bon, on greffe des gens qui ont une condition physique quand même, disons meilleure que la sienne, si vous voulez. Alors là, tout de suite, il se retrouve, il est rentré de nouveau aujourd'hui à la maison, il est sorti du CHU aujourd'hui, parce que la semaine dernière, il a fallu repartir au CHU, aux urgences, appeler le SAMU, enfin, la totale, et puis ils l'ont gardé quelques jours, et là, bon, il pense qu'il a peut-être une infection quelque part, mais enfin, on ne sait pas encore exactement. Et alors, ce que je voulais vous demander, Caroline, c'est que, si vous voulez, depuis le début de la maladie, depuis 2005, je suis dans la maladie 24 heures sur 24, vous voyez, avec des hauts et des bas. Mmh. Et je suis toujours restée de côté,
de la part du corps médical. Je ne suis absolument pas informée en quoi que ce soit sur l'état de santé de mon mari. Jamais un médecin m'a dit, m'a convoqué ou m'a dit, madame, écoutez, on pense ceci, on pense cela, bon, ou ça va très mal, ou ça va mieux, ou je suis carrément en dehors de tout ça. Mais je pour quelle raison? Comment? Pour quelle raison? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il s'adresse à votre mari? Il voit votre mari? Mais c'est-à-dire que mon mari, mais vous savez, je ne sais pas. Vous voyez, par exemple, le jour de la greffe, de la greffe, le 3 mars, personne ne m'a téléphoné pour me dire votre mari rentre au bloc. Je suis arrivée au CHU, il était déjà parti, je n'ai pas eu le temps de le voir une seule seconde pour lui parler avant qu'il rentre au bloc. L'opération s'est déroulée. Et puis c'est tout, vous voyez, je suis laissée en dehors de tout ça. Et alors après, quand je suis montée donc au CHU pour essayer de le voir, j'ai vu une infirmière, bien sûr j'ai fait un scandale quand je suis arrivée au soin intensif, j'ai dit mais comment ça se fait qu'on m'a pas prévenue? Alors l'infirmière elle m'a dit madame calmez-vous, elle a cru que j'allais avoir un malaise. Et puis elle m'a dit écoutez je veux vous dire très franchement, c'est moi qui me suis occupée de votre mari, et je lui ai dit il faudrait quand même prévenir votre famille. Alors elle s'apprêtait à faire mon numéro de téléphone et mon mari a dit non, vous prenez pas ma femme ni mon fils. Eh bien voilà, c'est ce que j'allais vous dire, oui. Voilà. D'accord, donc ça explique, bien sûr, oui. Voilà. Donc ça s'explique. Ça s'explique. Eh oui. Alors, donc, parce que normalement c'est le patient, quand il est en état de le faire, évidemment, qui prévient, c'est-à-dire là, qui dit voilà, ça y est, je vais aller au bloc. Évidemment, si c'est un accident, non. Mais là, quand c'est une intervention prévue, et vous voyez, l'infirmière elle-même était surprise de voir qu'il ne prévenait pas. Elle devait être très surprise parce que ça arrive. Hein, vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. Oui. Mais donc, il lui demande, a demandé à votre mari, et là, il lui répond non, ne prévenez pas. Donc, elle n'a pas. Elle a respecté le souhait. Elle est obligée de respecter le souhait du patient. Hein. Oui. Mais et c'est pour ça que vous n'êtes pas reçu. C'est parce que on respecte le souhait du patient. C'est lui le patient. Oui. Bon. Mais parce que vous avez des relations effectivement des relations assez compliquées. Puis vous savez, j'ai énormément souffert. J'ai énormément pleuré. J'ai eu une vie pas possible. Et puis si vous voulez, maintenant les années ont passé. Et puis maintenant je me rends compte que moi aussi je prends de l'âge. Je viens d'avoir 68 ans. J'ai loupé plein de choses. Voyez. Et puis je m'ennuie terriblement. Et puis cette vie je la supporte plus. Je n'arrive plus à supporter. Et puis la maladie, cette maladie. Alors on me trouve bonne, si vous voulez. Voyez. Aujourd'hui il est rentré du CHU. Sans explication, sans rien. Et moi, on me le donne à la maison. C'est une responsabilité énorme, parce qu'il est vraiment dans un état... Pas un état pitoyable, mais presque, si vous voulez. Alors, je culpabilise aussi, parce que je me dis, mon Dieu, si t'arrive quelque chose à la maison, comment je fais? Je voudrais pas en être responsable, vous comprenez? Et j'ai vu vendredi le cardio qui s'occupe de lui. Eh bien, je peux vous dire qu'il m'a reçu d'une drôle de façon, Je me fais jeter tous les côtés, alors ce qui fait que je ne peux plus. Oui, parce que vous ne savez pas ce qu'il dit finalement votre mari de vous. Voilà, certainement. Peut-être qu'il renvoie une image très terrible et négative de vous. Donc, vous voyez, donc au fond le cardiologue vous en dit le moins possible. Il vous fait passer peut-être pour une femme terrible et qui. Voilà. Qui le malmène. Et parce que mon mari a certainement oublié de dire comment il s'est comporté avec moi, vous comprenez, pendant des années. Oui, certainement. Oui, certainement. Voilà. Ils n'ont qu'une version. Ils n'ont qu'une version. Mais alors, justement, quand votre mari rentre comme ça, sans vous prévenir, comment ça se passe après entre vous? Vous vous parlez? Vous échangez un peu? Le dialogue est très très difficile. Vous voyez, aujourd'hui, ça a été très compliqué. Vous voyez, je vais faire mon devoir parce qu'il faut quand même rester humaine. Il faut quand même. Et puis, vous savez, comment dire? C'est la pitié que j'ai aujourd'hui. Le problème, c'est que vous m'avez dit, moi, ce qui m'a frappé, c'est que vous dites quand je l'ai rencontré, c'était de la pitié. Donc, c'est pas seulement aujourd'hui. Oui. C'est ce qui est terrible. Vous voyez, je suis de nouveau dans la pitié maintenant, vous voyez. Oui, mais vous l'avez été dès le départ. Dès le départ. C'est affreux. Oui, c'est affreux. C'est affreux. Et puis, vous savez, je culpabilise parce que je me dis, ma petite, comment tu as pu vivre comme ça? Pourquoi? Mais oui.
C'est une vraie question. Et pourquoi vous continuez ? Parce que voilà. Finalement, enfin, on en parlait là avec Eliane en début d'émission avec son fils, mais le divorce, ça existe quand on est malheureux. Mais oui, Caroline, il y a longtemps que j'aurais dû le faire. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Bon, parce que certainement que j'avais des sentiments aussi peut-être pour mon mari. Et puis. Oui, certainement. Voilà, et puis vous savez... Et d'ailleurs, on voit bien quand vous dites que vous avez peur de ne pas bien vous en occuper, qu'il y ait un problème. Ça veut dire voilà, vous avez peur de perdre, vous êtes attachée à lui, malgré tout. Oui, il y a un attachement. Mais tous ces temps-ci, j'ai tellement souffert... C'est pas que de la pitié. Voilà. Et mais vous savez, je me sens laissée de côté, je me sens... Oui, puisque vous vouliez, vous avez appelé, vous vouliez savoir quand avait lieu l'intervention, enfin, voilà. Vous voulez, vous avez peur, quoi, voilà. Vous étiez angoissée. Et vous savez, je me suis dit, le jour de l'intervention, je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'il va se réveiller, est-ce qu'il va s'en sortir, parce que c'était très très compliqué, hein. Et vous savez, après, j'étais furieuse, parce que si vous voulez, je me suis dit, et si c'était pas réveillé, je voulais lui parler, je voulais lui dire des choses, vous voyez, avant l'opération. J'ai pas pu lui dire tout ça. Bon, mais maintenant, j'arriverai peut-être pas mieux à lui les dire, parce que vous savez, la communication entre nous deux, c'est très très compliqué, hein. Très très compliqué. Et puis, je me rends compte, je suis consciente qu'il est excessivement malade, là. Alors, Oui. Excessivement malade. Je sais pas s'il va. Bon, je sais pas. Je ne sais pas s'il va arriver à s'en sortir et comment il va s'en sortir. Et là, quand il est rentré, il est avec vous, il n'est pas agressif avec vous. Ah non, enfin, du tout. Non. Parce qu'il est très dépendant de vous. Voilà. Contrairement à des années en arrière, vous savez qu'il était plutôt agressif avec moi, hein, parce que j'ai passé des moments très, très compliqués. Oui, il ne boit plus, également. Là. Il ne boit plus. Non, il s'est calmé mais en 2006. Mais après l'opération en 2005, c'était une horreur. Et pourquoi, selon vous, malgré tout, parce qu'il y a quand même il y a quelque chose, oui, qui vous fait payer en ne vous informant pas comme ça de l'intervention. Il y a quelque chose de il sait que vous vous inquiétez et une façon. Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Et puis vous savez, moi je me suis bon, il est conscient parce que si vous voulez, moi ça fait depuis 2004, il se passe plus rien entre nous. On a Vous comprenez ? C'est comme si je vivais avec un copain, entre parenthèses, vous voyez ? Oui. Je ne peux plus supporter, je ne supporte plus du tout, vous comprenez ? Oui. J'ai tellement souffert et pleuré pendant des années. Mais est-ce que vous pouvez avoir, qu'il ne se passe plus rien au niveau de l'intimité sexuelle, mais est-ce que vous pouvez avoir, quand vous êtes amené à le soigner, parfois, est-ce que vous pouvez avoir des gestes tendres ou pas ? Même ça, c'est compliqué. Non, je ne peux plus. Vous ne pouvez plus. Je peux plus. Et même là, quand vous le voyez diminuer, c'est la pitié, comme je vous disais, la pitié. Alors je me dis bon, allez ma petite, il faut faire un effort, il faut prendre sur toi, il faut t'accrocher, il faut tenir le coup parce que vous savez, moi je suis excessivement fatiguée, excessivement fatiguée. Mais est-ce que vous pensez pas qu'il vous manquerait quand même ? Vous non. Dites s'il n'était plus là, il vous manquerait ? Honnêtement, s'il vient à partir, je ne sais pas. Vous voyez, j'arrive Moi, je me demande, parce que vous avez tellement, finalement, votre vie, elle a beaucoup tourné autour de cet homme, même s'il y a eu des moments très difficiles. Oui. Et même là, vous êtes dans une sollicitude quand même très forte. On voit bien, quand il était hospitalisé, vous étiez très inquiète. Oui. Vous voyez ? Donc, on sent qu'au fond, vous êtes bloquée dans vos gestes et dans... Il y a quelque chose, parce qu'il y a des moments où il vous a blessé beaucoup, terriblement. Mais en même temps, il y a quand même de l'attachement qui passe dans vos propos. Oui. Et je pense que c'est peut-être est venu le temps un peu de l'apaisement, je dirais. Oui. Dans ces moments-là. Il est le père de mon fils. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, j'ai mon fils qui a 42 ans, mais vous savez, mon fils est démoli aussi. Hein, mon fils est démoli. Ouais, ouais. Alors vous savez, à travers tout ça, je lui en veux, si vous oui, voulez. Oui, bien sûr, j'entends ça. Oui. Mais bon, ce qui est fait, je ne peux pas revenir en arrière, non. C'est trop tard. Vous ne pouvez pas, non. C'est trop tard. Je vois une psychologue là qui m'aide énormément. Heureusement que je l'ai. Mais elle m'a aidé à sortir la tête de l'eau. Autrement, je crois que j'aurais plongé. J'aurais pas pu tenir. Et même là, tout de suite, c'est excessivement difficile. Et puis, vous savez, de supporter, disons, ce mépris par rapport au médecin et passer pour le méchant petit canard comme ça, c'est une horreur. Le monde médical, tout de suite, je suis horrifiée
choquée de voir comme ça se passe. Voyez, le CHU, la clinique cardiologique où il est allé en convalescence, je ne peux plus et je ne pourrai plus y aller. Je ne pourrai plus y mettre les pieds. Je ne peux plus. C'est des efforts surhumains que je suis obligée de faire et je n'arrive plus. Et pourquoi vous ne demandez pas un rendez-vous avec le cardiologue en disant que finalement quand il vous demandez un rendez-vous parce que quand il rentre à la maison, c'est quand même vous qui assurez le suivi. Ah oui, mais vous savez le cardiologue qui m'a dit vendredi, oui. Il m'a dit madame, vous prenez vos dispositions. C'est-à-dire quelle disposition? Parce que je lui dis, docteur, vous pensez pas que... Bon, j'ai dit, écoutez, vous jugez que son au niveau cardiaque, ça va. Bon, oui. Entre parenthèses, ça va. Oui. Moi, je trouve pas que ça va très bien, mais enfin, bon. Pour eux, c'est bon. C'est une réussite, c'est bon. Oui. Bon. Et j'ai dit, par contre, d'état général. Vous trouvez que mon mari est en état général? Il a tous les... comment dire? Les capillaires, vous savez, il a eu un problème un problème veineux. Et le système lymphatique, tout ça, c'est tout... bon. Il y a des gros problèmes, il y a des gros problèmes de ce côté-là. Et donc, il est très diminué, il est très fatigué à la maison. Ce matin, quand il est arrivé, il était essoufflé, c'était impressionnant. Hein, c'est impressionnant. Oui. Oui. Alors, j'ai fait remarquer au médecin, j'ai dit, vous ne pensez pas, docteur, qu'il serait bien, peut-être, qu'il aille dans une maison de repos oui. pour récupérer. Oui. Ah, il me dit, non, madame, il m'a dit, il est assez resté à l'hôpital, il rentre à son domicile. Mais oui, mais justement, entre l'hôpital, parfois, et le domicile, il y a une maison de repos. Il ne va pas entendre parler. Oui, c'est-à-dire que c'est vous qui devez assurer... Voilà. Ça vous fait un petit peu peur, ça vous inquiète. Ah ben moi, ça me fait terriblement peur. Je vois la semaine dernière, quand il est rentré de la clinique, dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai dû appeler le SAMU en pleine nuit. Il avait un malaise, il étouffait, il tremblait, il avait froid, il claquait des dents. Oui, mais ça monte. Le cardiologue m'a dit, le vendredi, il m'a dit, oh ben non, vous avez trop anticipé, il fallait pas appeler le SAMU, je vois pas l'utilité d'appeler le SAMU. Et qu'est-ce qu'il dit, votre mari, dans ce cas-là? Pas grand-chose. Et oui, c'est ça, parce qu'il faudrait aussi qu'il y ait quelque chose qui vienne de lui. Oui. Parce que sinon, c'est vous qui passez presque pour... un peu la méchante, alors je vais mettre beaucoup de guillemets, qui veut envoyer son mari, qui veut pas s'en occuper, qui s'en décharge et qui veut l'envoyer en maison de repos. Voilà, voyez, c'est exactement donc ça. Il faudrait que votre mari puisse dire parce que parfois c'est quand la maison de repos, ça peut être si la personne elle peut pas elle est seule chez elle, personne ne peut s'en occuper entre guillemets, donc la maison de repos c'est avant qu'elle rentre chez elle, mais s'il y a quelqu'un, la personne pourra faire face. Mais votre mari pourrait dire, c'est vrai que la maison de repos, je me sentirais aussi plus à l'aise, parce qu'une maison de repos médicalisée, ça serait pour moi plus rassurant. S'il ne dit rien, ça a l'air de dire qu'il est d'accord avec le médecin. Voyez, ça a l'air de cautionner. Mon sentiment, je ne pense pas trop me tromper. Et puis d'autre part, j'ai un ami médecin qui m'a expliqué beaucoup de choses, parce que comme j'étais dans l'ignorance totale, et cet ami m'a expliqué beaucoup de choses et que maintenant je comprends beaucoup mieux. Mais vous savez, le CHU, qui s'est occupé de mon mari, si vous voulez, c'est leur chose. Ils ne voulaient pas, au départ, les cardiologues qui s'occupaient de lui ont fait pression auprès des chirurgiens, parce qu'il n'y avait aucun chirurgien qui voulait l'opérer, vu l'état général dans lequel il se trouvait. Vous comprenez? Donc, on l'a opéré, on lui a mis notre cœur. Et vous voyez, je pense que pour le CHU, c'est leur petite chose, leur petit cobaye, leur petit... Non, je ne pense pas quand même jusque-là, mais je pense qu'il faudrait peut-être voir à ce moment-là, en reparler avec votre mari, dire que voir avec lui... Si... Avec mon mari. Mais oui, je vois bien que le fond du problème, il est là, mais peut-être en parler un petit peu avec lui, voir, essayer de trouver une... dire que vous vous sentez aussi un petit peu vous fatigué, que vous auriez... que c'est... ça vous angoisse aussi, que vous vous sentez angoissé, et est-ce qu'il n'y aurait pas pendant quelques temps, au moins peut-être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à envisager avec votre médecin traitant aussi, il peut faire ce rôle-là, d'envisager une maison de repos. Pour que vous puissiez un peu vous reposer et que lui soit dans un lieu un peu médicalisé, parce qu'avec une grosse intervention comme ça, peut-être que vous pouvez en parler avec votre médecin traitant.
Et oui, le voilà. médecin traitant, j'en ai parlé. Alors, donc, je oui, parlez-lui-en vraiment. Je pense que ça vaut le coup d'en parler. Voilà. Mais vous savez, au niveau... Je parle pour moi et certainement d'autres personnes qui sont dans mon cas. Je trouve que quand on a des grands malades comme ça, je trouve que les conjoints, on est vraiment laissés de côté. Vraiment. Oui, mais c'est pour ça, il faut, si vous voulez. Bon, là, c'est un peu particulier aussi, c'est parce que dans votre couple, il y a quand même un grand malaise. Voilà. Donc, si, ça explique aussi, beaucoup de choses quand même dans la façon dont vous êtes reçu, le fait que ce manque de communication entre vous rejaillit aussi dans la difficulté que vous avez à entrer en relation avec le personnel médical, C'est-à-dire que, bon, ça, bon, maintenant, allez quand même parler. Il faut quand même que vous l'abordiez avec votre mari, parce que vous n'allez pas demander seul avec le médecin traitant. Mais dites-lui carrément, mettez vos limites aussi, parce qu'on n'agit pas que par pitié, ça n'a pas de sens non plus. Dites que vous vous sentez fatigué et que il vous paraîtrait même plus raisonnable pour lui qu'il soit dans une maison de repos médicalisée et que après que ça vous angoisse là. Voilà, et voyez avec le médecin traitant, je pense. Ça serait important. Bon courage, en tout cas, Nicole. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Bonsoir. Allez, on va accueillir maintenant Anna. Bonsoir. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir, Anna. Je suis ravie de vous avoir. Et moi aussi. Alors, je me suis permis d'appeler ce soir. J'avais appelé déjà il y a 3-4 ans à peu près, parce que j'ai 39 ans et je voulais parler de cet accueil de la quarantaine qui s'annonce dans quelques mois. Oui. Et du positionnement, voire repositionnement par rapport à l'entourage, autant familial qu'amical. Donc en ce moment, j'ai pas mal de choses qui me touchent et qui me secouent. Alors ça reste très positif, mon discours est positif parce que je suis en plein épanouissement professionnel et personnel. Et disons que tout arrive en même temps, si vous voulez. Ah bon ? Voilà, donc c'est souvent la vie, je crois. On va dire qu'est-ce que qui pour vous moi, arrive c'est alors le cas. Oui, alors plein de belles choses au niveau épanouissement professionnel. J'ai monté ma société il y a 3 ans et là je commence à bien stabiliser ma clientèle. Donc là déjà je suis enchantée. Ouais. Personnellement, donc j'ai un homme dans ma vie depuis plusieurs mois qui est divorcé. Moi, j'étais avec un homme marié, donc j'ai réussi à aller vers une histoire possible avec deux êtres libres. Et puis je suis en plein donc positionnement à tous les niveaux, donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler un petit peu avec vous ce soir. Oui. Par rapport à mes amis d'avant, d'enfance, de jeunesse, je n'ai pas encore d'enfant, donc j'ai un décalage avec mes amis qui sont déjà mamans. J'ai un décalage avec le fait que moi je sois en mouvement et que ça avance d'une certaine manière et pas forcément au même moment que dans le même mouvement que mes amis proches, vous voyez. Donc en fait, ça, c'est un peu difficile d'expliquer, mais en ce moment, ça me secoue, parce que je me pose des questions par rapport aux liens liés au passé, c'est-à-dire ces amitiés de longue date, qui finalement, peut-être à un certain moment, peut-être que je me trompe, mais correspondent à une époque de la vie, en fait. Et la question que je me pose un petit peu ces temps-ci, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas un moment où c'est sain de ne plus forcément être à l'écoute des mêmes choses qui tournent un petit peu en rond. Donc c'est délicat parce que c'est pas parce que on change dans sa tête et sa vie que on laisse tomber les autres, mais non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Oui, oui. Si, je comprends ce que vous voulez dire. Donc ça me touche, ça m'émeut parce que je me dis c'est bien, c'est pas bien, c'est pas sympa, mais en même temps... Il n'y a pas une question de... C'est pas en termes... je crois que c'est de bien ou pas bien. Il faut faire en fonction de ce qui est juste pour vous. De ce qui d'aller vers ce qui vous semble vrai pour vous. Donc vous dites qu'à un moment vous tournez un peu en rond à entendre toujours les mêmes histoires. Or ça veut dire que il y a quelque chose de l'ordre de la répétition. La répétition, dans notre jargon psy, on dit c'est un peu névrotique.
Bah, en fait, c'est un peu le cas des personnes en question. Donc à un moment, vous voulez, c'est dans quelque chose, avancer dans la vie, c'est dans le mouvement. Ça veut dire que parfois, oui, il y a des ruptures qui se font. Ça ne veut pas dire que dans l'amitié, alors c'est vrai que ça va faire sursauter peut-être des personnes qui nous écoutent en disant, mais alors ça veut dire quoi? On n'est pas fidèle en amitié, on ne peut pas conserver les amitiés de l'enfance, on ne peut pas les conserver, ou ça veut dire on est en train de prôner aussi, dire qu'on peut se séparer comme ça, de rompre avec ses amis. Mais on est fidèle à des moments de sa vie, à des amitiés. Et puis l'amitié, ça peut être comme l'amour. On va évoluer différemment et finalement, on ne peut se rattacher qu'à des moments où on va parler toujours des mêmes choses parce que c'est ce qui nous réunit. Mais on a évolué différemment. Donc en fait, c'est un petit peu... on peut simplement, pour faire une métaphore, mettre un mouchoir sur... cette partie de notre vie, finalement, en toute sérénité, et se dire, bah, c'est pas... Finalement, on peut lâcher. Là, moi, je suis dans une période de lâcher prise et de recentre, comment dit-on, je me recentre. Vous vous recentrez sur vous. Voilà, disons que j'ai envie de ne plus m'inquiéter des miens. Vous voyez ce que je veux dire? Autant dans l'amitié que la famille. Donc, ce qui fait que c'est un peu brutal. Donc, je préviens autour de moi. Au niveau familial, j'ai prévenu. Au niveau amical, je n'ai pas prévenu. Je sais pas si c'est lâche ou pas, mais disons que, vous voyez, ça secoue quand même. Mais bon, je pense que c'est oui, ça. Oui, ça secoue, mais je pense... Je pense que c'est tout à fait... Ça part d'un... Bon, oui, je pense que c'est ça. Vous faites une thérapie? Non, mais je suis très sensible à tout ce qui concerne la psychanalyse, et donc je lis pas mal de livres, et puis bon, j'ai une vie assez saine et très je médite, je prends beaucoup de temps, je prends le temps de vivre en fait. Et ces derniers temps, j'ai envie d'être heureuse pleinement. Maintenant, je me dis, je mérite d'être heureuse aussi. Voilà, à moi. Oui, en fait, vous pensez à vous. C'est-à-dire que vous, voilà, vous pensez à vous. Là. Je crois que je me suis trop occupée, trop inquiétée, vous voyez. Pour les autres. Miens. Oui, surtout de mes sœurs, ma famille. Et là, je fatigue. J'étais un peu en contemplation. Dans le don de l'écoute, de toujours être disponible, toujours être sympa, toujours être positive. Bah là, maintenant, c'est moi. Vous voyez, c'est limite, je suis obligée de me justifier. Non. Ah, mais moi aussi, vous voyez, moi aussi, j'ai... Oui. Donc c'est pour ça que je l'exprime auprès des gens que j'aime, donc ma famille avant ma famille. Ma famille avant ma prochaine famille. Je sais pas, en ce moment, je dissocie la famille quand on est enfant et frères et sœurs et la famille de la future... Celle que vous avez envie de construire. Voilà. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, en même temps, c'est pour ça que j'avais commencé par dire que c'était une magnifique période parce que là, j'accueille, en fait, tout ça. J'accueille pleinement, mais c'est pas sans secouer. Voilà. C'est pas sans... Voilà, je me dis, bon, est-ce que... Ça vous secoue, vous? Ça secoue autour... Il y a des remous dans votre entourage Parce que vous dites que c'est brutal. C'est brutal. Évidemment, il peut y avoir des réactions comme ça. Si, Oui, disons que je suis plus dans le silence, ce qui surprend. Je me recule davantage, je donne moins, je m'avance moins. Donc, nécessairement, à partir du moment où on modifie son comportement, ça étonne... Ça étonne, voilà. Mais moi, ça va. Si on me pose la question, je me justifie. Mais si on me pose pas la question, c'est que finalement, c'était fondé. J'avais pas besoin de tant m'inquiéter que cela. Non, mais c'est un moment de votre vie où vous avez besoin. Enfin, où c'est enfin vous vous occupez de vous. Oui, c'est un peu ça. Ou en même temps, j'ai eu cet espace, mais je ne le prenais pas. Bon, bah c'est une bonne chose, là. Oui, c'est pour ça que c'est un appel plein d'espoir et je suis pleine de joie, surtout dans cette période. Mais en même temps, je pense qu'on se construit son bonheur comme son malheur. On reste dedans si vraiment on a envie de rester dedans. Et puis... Il faut arriver à aller vers son bonheur, quoi. Je crois que c'est ça surtout. Le chemin de la sérénité, en fait. Oui, c'est complexe, hein, en même temps. Mais bon, en tout cas, vous êtes dans cette phase-là.
Et au niveau, vous vous êtes fait de nouvelles amitiés alors, ou pour le moment Disons que... Oui, c'est intéressant ce que vous me dites. Alors, des nouvelles amitiés. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment un lien qui se crée avec le temps. Ou par... Alors, peut-être oui, oui. Mais est-ce que nouvelle, c'est dans les trois dernières années oui. Parce que, justement, ça correspond à la création de mon entreprise, donc à la réorganisation de ma vie. Donc, je suis rentrée en contact avec d'autres personnes qui ont monté leur société, de chez elles également. Donc ça nécessite aussi on prend beaucoup sur soi aussi à ce niveau-là. Les contacts sont plus des réunions pro, des réunions d'affaires, des trucs très très ciblés. Donc c'est aussi une partie très plaisante. Voilà. Pour le moment, vous êtes pleinement occupé par rempli par votre cet épanouissement professionnel et par cette histoire d'amour aussi. Donc peut-être que c'est une période aussi où l'amitié est un peu moins importante pour vous. Oui, c'est possible aussi. Maintenant, oui. Bah, disons qu'il faut laisser ça. Là, tout est une question de place, je pense. Moi, je suis assez sensible à ce mot. On prend sa place en laissant une place, et dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, je laisse la place de la fille et de la sœur pour partir vers la future femme. Je pense qu'il y a de la place, oui. Enfin, ça cohabite. Hein. C'est pas aussi arbitraire que ça. Toutes ces places-là cohabitent hein, dans les faits. Il n'y a pas un degré, quand même. Non. Ça ne peut pas se quantifier. Ah oui. Ouais, c'est intéressant, ça. Je n'avais pas vu ça comme ça. Oui, parce que de toute manière, à vie... Bien sûr que d'une certaine façon, oui, à un moment, il faut... on ne peut pas toujours rester... si on reste toujours la fille de ses parents, même si dans les faits, bien sûr qu'on reste toujours... vous restez toujours la fille de ses parents, le garçon, le fils de ses parents, mais on est toujours l'enfant de ses parents. Et jusqu'à ce qu'on les perde. À vie, jusqu'à ce qu'on les perde. Bon, mais... si vous voulez, bon, quand bien même on devient, quand on est en couple, quand on devient parent à son tour, on reste quand même, vous voyez, on cohabite et on navigue entre ces différentes places, j'allais dire entre ces différents rôles, mais entre ces différentes places. Vous voyez, il n'y a pas comme ça, on est à un moment, on va être alors l'ami, l'épouse, la mère, la fille, la sœur, vous voyez. Alors, je dis pas que c'est simple, hein, c'est une mosaïque, mais justement, c'est aussi ce qui fait que ce que l'on est. Bah, oui, disons que moi, ce qui résonne en moi avec ce que vous venez de m'expliquer, en fait, c'est plus que j'ai besoin de pousser pour faire de ma place. C'est intéressant, c'est ça qui résonne en moi là, à l'instant T. C'est que, voilà, j'ai besoin de pousser tout le monde là pour dire bon bah et moi maintenant je m'occupe de mon couple parce que maintenant j'ai envie d'un couple. Oui, mais parce que peut-être vous avez donné jusque là trop de place aux autres. Oui. À vos dépens, c'est-à-dire que vous ne voyez, il n'y avait pas assez de place pour vous. Les autres avaient pris trop de place. Disons que là, c'est plus le fait que je n'ai pas pris ma place toute seule. Mais j'arrivais pas à me dépatouiller. Vous n'aviez pas. Oui, ben c'est ça. Vous ne trouviez pas. Vous n'aviez pas de place. Vous n'avez pas votre place dans la famille. On vous a pas donné votre place. Il y avait d'autres choses. Je ne sais pas. Mais oui, en tout cas, c'est pourquoi vous tenez particulièrement à ce mot place. Ça aussi a un sens. C'est parce que je suis la dernière. Oui, on est trois sœurs. Mais oui, non, bah, trois sœurs. Déjà, vous tenez au mot place. Ça a quand même un sens, hein. Bon. Oui, les mots. Non, mais je ne voulais pas ouvrir le tiroir des sœurs. Non, mais je vous laisse ouvrir aucun tiroir. Mais enfin, ça a quand même. Vous voyez, vous me dites, vous êtes trois filles, trois. Oui, oui. Bon,
J'avais relevé déjà que le mot les sœurs, il y a la place de la sœur et vous tenez ça. Oui, quand il y a trois filles, il faut se faire sa place. Bon. Alors, il y a Aïda qui dit, ben, là où vous en êtes actuellement, Aïda dit, je pense que c'est la récompense de votre travail intérieur. Et puis, vous voyez, là, le fait qu'on parle d'amitié, les amitiés d'enfance ou les amitiés, après, qu'est-ce que le fait qu'à un moment, on puisse avoir envie de s'éloigner un peu, ben, évidemment, ça suscite des réactions. Alors, il y a Cathy qui dit, oh oui, ben, il y a trahison, ne cherchez pas de justification, assumez, tant pis pour les trahis. C'est plus par rapport à moi où Cathy dit, vous ne craignez pas les paradoxes, vous qui répétez l'importance de l'amitié. Et j'affirme, je maintiens que l'amitié, c'est quelque chose d'infiniment, d'infiniment précieux. Pour autant, je dis, c'est comme il en va de l'amitié, parfois comme de l'amour, on évolue et on peut évoluer différemment. Donc on a des amis avec qui on a vécu des moments merveilleux avec, à certains moments de notre vie, des amis d'enfance, des amis qu'on va suivre pendant un certain temps, ou des amis au moment de l'adolescence où on a vécu des choses, des moments terriblement fort de complicité, mais après, à l'âge adulte ou au moment de la maturité, à l'âge de 40 ans, où on ne retrouve plus, on ne partage plus, on s'est éloigné, mais on leur garde au fond de nous cette tendresse pour ces moments partagés, mais on a évolué différemment. Donc effectivement, on se retrouverait que pour évoquer, j'ai envie de dire, moi ce que j'évoque, des souvenirs d'anciens combattants. Donc à un moment, si on ne peut plus transformer cette relation dans ce que l'on vit d'un quotidien, elle n'a plus vraiment de sens. Voilà. Il n'empêche qu'on garde une tendresse pour des gens qu'on a aimés, pour des personnes qu'on a aimées. Voilà. Oui. Donc trahison, le mot est excessif. Non, ce sont des relations qui évoluent. On peut se retrouver aussi. Moi, j'ai retrouvé récemment, vous me posez la question à savoir si j'avais de nouveaux amis. En fait, j'ai retrouvé une amie d'une époque. C'est très intéressant. Et on se retrouve dans une autre période de nos vies, justement on retrouve un lien. Et ça arrive aussi. Donc ce n'est pas statique, finalement. Rien n'est statique, d'ailleurs. Non. Ah ben non, la vie. La vie, c'est du mouvement par définition. Ouais, c'est pour ça qu'on parle de. Effectivement, dès qu'on est d'un point de vue psychanalytique, le principe même de la névrose, c'est la répétition. Hein, c'est le côté répétitif. Oui, c'est quand on est dans quelque chose qui se répète. Voilà. Ouais. Oui, c'est tout l'intérêt. Sachant qu'on est tous un peu névrosés, hein, quand même, hein, d'une certaine façon. Oui, plus ou moins. Alors là, pour le coup, il y a une question d'intensité, mais enfin, voilà. Et quand bien même on a fait des années d'analyse, qu'on s'allongeait sur un niveau, on en garde toujours un petit fond. Hein, voilà. Ouais. On règle jamais tout complètement. Et heureusement, parce que si on était voyez, dans la normalité absolue, ça serait... Ce serait pénible. Oui, ce serait pénible. Vous posez la question tout à l'heure si j'étais en thérapie. Mais je l'ai été, mais là, disons que je n'ai pas forcément envie... j'ai plus envie de discuter de de l'accueil de la quarantaine. C'était plus ça. Bon, écoutez, en tout cas, c'est dans quelques mois. Oui, en février, vous voyez, je suis en avance. Vous êtes en avance, vous préparez le terrain. Écoutez, on sent que vous le préparez sereinement. C'est très gentil, merci d'avoir partagé avec nous. Au revoir, Anna. Au revoir. Bonsoir, Régine. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Écoutez, j'ai passé un coup de fil parce que je trouvais cette conversation que vous aviez avec cette auditrice précédente très, très intéressante. Avec Anna, oui. Et ça a fait terriblement résonance en moi, un petit peu d'une autre façon, pas de la même façon, avec un chemin différent. Mais moi, je me suis trouvée... J'ai 65 ans. Oui. Et je me suis trouvée à 50 ans au moment d'un divorce. J'ai vécu 18 ans avec un homme qui m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Mais j'ai réalisé bien après que c'était un homme qui était très cassé aussi. Et au moment du divorce, à 50 ans, bien que j'ai demandé, moi, le divorce, qu'on n'en pouvait plus... Je me suis trouvée dans une souffrance terrible, ce qui m'a beaucoup étonnée et qui m'a posé problème parce que c'est quand même moi qui demandais le divorce et le divorce pour moi à cette époque était quand même, ça allait être une libération. Oui. J'étais dans une telle souffrance que j'ai décidé d'aller voir un psy pour essayer d'en parler. J'ai fait 3 années finalement. Oui. Et à cette époque-là, avec cette psy, d'abord elle m'a fait remarquer quelques temps plus tard que les 3 premiers mots où j'étais arrivée, je pleurais.
Les trois premiers mois. Pendant les trois premiers mois, j'y allais deux fois par semaine. Ah oui, vous aviez une sacrée souffrance. Hein. Et je pleurais. Oui. Elle me l'a dit à la fin et j'en étais sidérée. Je m'en souvenais plus. Vous vous souveniez pas Non. Oui. Mais je crois que moi, j'ai tellement souffert dans ma vie que j'ai appris à mettre de côté. Je crois que j'ai appris à oublier. Et donc, à cette époque, j'allais la voir et au bout de trois mois, certainement, j'ai dû me mettre à parler. Et finalement, avec cette femme, j'ai réussi à mettre le doigt, non pas sur mes souffrances avec mon mari, mais avec celles de ma mère. Ah oui. Ouais. Ma mère était une femme que je mettais sur un piédestal et ma mère est une femme pour qui j'ai essayé de la rendre heureuse toute ma vie. Mon père aussi d'ailleurs à l'époque, puisqu'il vivait avec elle. Mon père était quelqu'un de très très violent. Mes parents étaient immigrés, espagnols, portugais. Oui, j'allais vous demander pourquoi vous pensiez qu'elle ne l'était pas pour vouloir la rendre heureuse. C'est parce que... Ben, elle me disait qu'elle ne l'était pas. D'accord. Oui. Elle me disait qu'elle n'était pas partout. Elle m'a jamais dit je suis pas heureuse. Elle m'a jamais interdit de faire des choses. Mais elle avait une façon de me dire, par exemple, elle me disait comme mon père cognait sur tout le monde à la maison, sauf sur moi, mais sur tout le monde. J'avais deux frères. Quand je partais en voyage quelque part pour mon boulot, elle me disait oh tu sais je sais pas si ce que ton père va faire pendant que tu seras pas là. Donc elle me disait C'est terrible. Pas. Oh là là, oui. Mais elle me disait, et pour tout, c'est angoissant et culpabilisant parce que vous ne, à chaque fois, c'est comme si vous l'abandonniez. Je partage, j'en étais malade. Ben oui, il y a de quoi. Oui. Et puis pour tout, pour la vie quotidienne, pour tout, enfin, jusqu'à l'âge de 50 ans, je me suis occupée d'eux complètement. Ouais. Et là, j'ai mis enfin le doigt sur cette souffrance. Je suis tombée de haut. Mais oui, quand à votre tour, vous viviez une séparation qui représentait un abandon, enfin ce divorce, qui vous renvoyait un sentiment peut-être d'abandon. De... Je pense que ça a fait peut-être quelque chose à ce moment-là. Quelque chose, oui. Pourtant, j'avais eu deux filles avant et au moment de la naissance de mes deux filles, ça ne s'était pas passé, ça. J'avais rien eu. Donc là, j'ai mis le doigt sur ces souffrances et j'ai compris aussi que j'étais allée vers un mari qui ne me convenait même pas du tout, mais pas du tout. Comme par hasard. Donc il y a plein de choses qui se sont révélées là finalement en partant du fait que ma mère m'avait tellement fait souffrir, mais probablement inconsciemment, je pense, parce qu'elle avait probablement elle souffert beaucoup. Oui, oui. Et puis dans la souffrance de cette famille, ils avaient eu un enfant mort pendant la guerre en 44, c'est moi qui venais le remplacer. Enfin, il y a toute une histoire de famille là, de très grandes souffrances, ils venaient de familles très pauvres, enfin mon père venait d'une famille très très pauvre, enfin tout ça c'est probablement remonté, et à ce moment-là, c'est pour ça que ça avait de la résonance que disait l'auditrice, à ce moment-là quand j'ai mis le doigt sur cette souffrance, bon effectivement je me suis séparée de mon mari, ça a été très difficile, mais finalement dans ma tête, je me suis aussi séparée de plein d'amis avec lesquels je trouvais que j'étais vraiment un peu l'esclave. Oui. Et parce que vous les preniez en charge comme vous aviez pris votre mère ou comment ? Je pense, oui. Je pense finalement dans ces relations avec ses amis que j'aimais beaucoup et avec qui je passais beaucoup de temps, eh bien, c'était toujours moi qui allais vers elle, c'était toujours moi qui faisais un effort, c'était toujours moi qui faisais, mais je ne me rendais pas compte. Quand on fixait un rendez-vous, c'était toujours moi qui me déplaçais. C'était « Oh non, j'ai pas envie de... » Enfin, vous voyez, j'ai eu la sensation à ce moment-là que je vivais la même chose avec ses amis. Je comprends. Pardon ? Oui, je comprends très bien. C'est là où un travail sur soi peut amener à du coup, comment on s'interroge sur les relations que l'on a. Ça fait que certains disent on a fait du vide dans nos relations, mais oui ça peut aller dans ce sens-là, en ce sens ce qui est considéré comme bénéfique pour nous, parce que finalement vous le dites avec certaines relations d'amitié, à ce moment-là vous ne voyez pas, mais vous vous sentiez un peu vampirisé par ces relations. Et du coup, vous avez pris de la distance. Et ça arrive souvent après un travail thérapeutique. Alors, ça peut être par rapport à une relation de couple, par rapport à des relations familiales, par rapport à des relations professionnelles, amicales. Mais il y a souvent des changements qui s'opèrent. Alors ça, ces changements se sont faits en ligne directe. En fait, tout ça s'est fait dans la foulée, en fait. Mais ça s'est fait, ces changements sont faits comme évidents dans ma tête. Eh oui, mais parce qu'à ce moment-là, ça s'impose comme tel. Ah oui, et je les ai laissés tomber, parfois violemment, parce que
parce que j'étais mal à l'aise pour leur dire quoi que ce soit et oui. la déchirure devait se faire. De toute façon, je le sentais. Parce que c'est une, il y a souvent, c'est comme une déchirure. C'est-à-dire là, je parlais parfois des relations où on évolue différemment, mais quand on se rend compte que parfois il y a certaines relations où oui. on s'est leurré un peu, il y a quelque chose de l'ordre d'une déchirure. Exactement. Et j'avais l'impression de m'être fait avoir, exactement. Il fallait que je quitte. Mais oui, bien sûr. Et j'ai donc tout quitté, et pour dire à cette jeune femme qu'elle s'en fasse pas, parce qu'elle est plus jeune que moi. Oui. Et moi, finalement, je me suis fait d'autres amis sur des modes beaucoup plus sympas et beaucoup plus sains. Oui, ben, moins névrotiques. Oui, et mes parents sont décédés, je suis donc plus tranquille, c'est terrible de dire ça. Non. Non, non. Et j'ai un mari que j'ai laissé et je suis plus tranquille aussi. Bon, et donc vous allez mieux dans votre vie. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je voulais oui. dire cette auditrice qu'elle ne oui. s'en fasse pas parce qu'elle, en plus, oui. elle le fait plus tôt que moi. Merci beaucoup, Régine, de ce témoignage. Je dois vous laisser. Merci, très belle nuit à vous. Faites de beaux rêves, excellent week-end et à dimanche.